Par son leadership passionné, sa défense de causes importantes et son service public, Joanne Booth a eu un impact important sur de nombreux aspects du paysage agricole canadien. Née en milieu urbain, Joanne s'est rapidement intéressée à la vie rurale en s'engageant fermement dans les domaines de la science et de l'agriculture. Elle a commencé sa carrière en recherche et développement chez Dow Elanco Canada pour ensuite se tourner vers la gestion des cultures, des sols et de l'eau au ministère de l'Agriculture du Manitoba. Sa capacité à tisser des liens, à communiquer avec les agriculteurs et à partager son expertise en agronomie est devenue chez elle une qualité très prisée au sein de la communauté agricole. En 1999, Joanne s'est jointe au Conseil canadien du canola, où pendant 13 ans, à titre de vice-présidente puis de présidente, elle s'est engagée avec succès auprès de tous les secteurs de l'industrie du canola, alors que le marché traversait une période plutôt difficile. Reconnue pour son calme, son assurance et sa manière bien à elle de transmettre de l'information, elle a utilisé sa connaissance de la chaîne de valeur du canola dans son ensemble, depuis la recherche jusqu'à la production, en passant par la transformation, pour faciliter une croissance exceptionnelle des grains et oléagineux canadiens. En 2012, Joanne a été renommée au Sénat canadien, où elle a contribué à promouvoir l'agriculture et a grandement influencé la façon dont le Sénat voit les enjeux agricoles. Mais son désir de servir l'agriculture de façon plus directe l'a ramenée dans l'industrie. Après 2 ans au Sénat, Joanne est devenue la première femme à occuper le poste de directrice générale de l'Institut international du Canada pour le grain. Elle a usé de son approche collaborative et de son réseau pour mettre en place une nouvelle structure et un nouveau modèle de financement, élevant l'organisation au rang de leader respecté en formation technique pour l'utilisation des grains canadiens. Au fil de sa carrière, Joanne a créé un legs durable en servant les agriculteurs et le secteur agricole du Canada. Son approche axée sur la collaboration, qui lui aura permis de résoudre des problèmes nationaux et internationaux complexes, figure parmi ses plus grandes forces. Sa vision pour l'établissement de liens entre la science et les extrants commerciaux a fait fructifier le rendement et la qualité des cultures au Canada, tout en ouvrant de nouveaux marchés d'exportation. Elle est une porte-parole infatigable, une leader passionnée et une ambassadrice respectée pour l'agriculture canadienne. Merci, Joanne Booth, pour votre engagement continu envers l'avancement de notre industrie par le biais de la science.